Et donc, qu'est-ce qui se passe? On demande à Mathieu Bonhomme de faire un Lucky Luke, ou Mathieu Bonhomme veut faire un Lucky Luke? Alors, au départ, c'est moi qui ai envie de faire un Lucky Luke, mais depuis des années. Ça fait très longtemps que je parle aux éditions d'Argo, parce qu'en fait, ça c'est chez Lucky Comics, mais c'est d'Argo qui s'occupe de suivre la production des Lucky Luke. Et c'est un éditeur avec qui j'ai travaillé au début de ma carrière sur chaque album qui s'appelle Le Marquis d'Anaon. Et j'ai toujours gardé des liens, parce que je me suis très bien entendu avec eux. Donc j'ai des liens très forts avec les éditions d'Argo. Donc on se rappelle de temps en temps tout ça. Puis depuis 10 ans, moi je leur pose toujours la question, qu'est-ce qui se passe avec Lucky Luke? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver ma petite place là-dedans? Et puis en parallèle, on voyait chez Dupuis arriver les Spirou, Vupart. Alors moi je leur disais, mais laissez-moi faire un Lucky Luke Vupart. Et il y avait un problème de choix éditorial, mais aussi de décision à prendre au niveau des ayants droit, parce que la famille de Maurice était très regardante sur ce qui se faisait. Et puis il y a 2 ans, j'ai reposé la question, en étant un peu insistant, parce que je voyais que les reprises de séries, c'est quelque chose qui se développait. Et puis il venait de faire 2 westerns, et donc je suis retourné les voir en étant en poussant le plus fort la porte. Ils m'ont dit, ok, bienvenue, ça m'a paru bizarre. Et c'est là que j'ai appris qu'ils préparaient les 70 ans de Maurice et que mon album, la proposition est arrivée comme une des possibilités pour accompagner cette année Lucky Luke. Donc pour Darko, l'année Lucky Luke, c'était un grand rendez-vous. Et ils ont donc une énorme expo qui a lieu à Angoulême sur l'art de Maurice. Ils ont aussi réédité Fil de Fer en facsimilé. C'est magnifique, et puis ils ont fait le livre de l'expo qui s'appelle L'Art de Maurice, et puis donc il y a mon album, et puis il y aura aussi évidemment un album de la série principale à venir en fin d'année. Et il y a un Bouzard aussi qui est au programme, qui lui aussi va faire